Bon, et madame, mademoiselle, chers compatriotes guinéens, bonjour. Vous savez que vous me connaissez déjà et à chaque fois qu'il y a événement, il y a des choses, n'est-ce pas, je suis obligé de, à ma qualité de chef de file de l'opposition guinéenne, il faudrait que je communique pour informer des gens. Et parler, même s'adresser au président. Et encore aujourd'hui, après le décès, n'est-ce pas, de le marshal est décédé, le président de Tchad. D'ailleurs, le même jour, j'ai tweeté sur mon compte pour présenter condoléances en même temps. Et sur ma page officielle, vous avez vu ça. Donc, vous voyez, je voulais conseiller, dire à notre président, président Alpha Condé, d'essayer de... Je sais qu'il a perdu un ami qui est très, très cher de lui. Je peux même dire que je suis très, très cher pour lui. Et je peux dire que c'est son conseiller même... tout ce qui est la défense, parce que il y a beaucoup de, quand il prend même force spéciale, autre, c'est égal là où il y a tous ces choses-là qui avec Tchad aussi. Donc, c'est un grand ami lui qui l'a perdu. Et, mais vous voyez, le pays ne doit pas être géré pour une seule personne. Une seule personne ne peut pas gérer un État. Un État doit être organisé. Un État, il y a un chef d'État, n'est-ce pas, qui coordonne tout avec son gouvernement. C'est celui qui ordonne et puis il essaie de mettre chacun à sa place. À chaque fois, je ne manque pas de donner ce conseil. N'est-ce pas, Tchad, on vient de voir ça directement finir avec le président Idriss Déby, et laquelle lui-même a participé. Donc, vous voyez, et comme l'État est organisé, chacun fait son travail, n'est-ce pas? Le gars est enterré, n'est-ce pas? Sans problème. Tout de suite, le relais est là. Bon. Mais si le pays, comme on a dit, si le président ne s'ouvre pas aux autres, n'est-ce pas? Aujourd'hui, l'opposition, que tu sois opposition radicale, que tu sois opposition modérée, que nous sommes, le président, en fait, la vérité, il ne veut pas s'ouvrir à l'opposition. Il veut gérer seul sans prendre en compte de tout ce qu'on lui fait comme proposition. Donc, tout ce qu'on le conseille. Et quand c'est comme ça, c'est très grave parce qu'il y a le vie et il y a aussi la mort qui arrive. Donc, si le pays, si vous voulez vraiment laisser le pays soit calme et tout ça, et que vous, en cas de problème, en cas même de décès, et que, n'est-ce pas, qu'on a même des problèmes pour enterrer, pour t'enterrer même, c'est compliqué. Donc, il faut que le président, la mort de son ami, soit une grande leçon pour lui, qu'il puisse vraiment s'ouvrir et tendre la main aux gens au Guinée. Vous savez, aujourd'hui, et avoir confiance aussi aux gens de Guinée, il faut qu'il ait confiance aux Guinéens, parce que le Guinéen, lui seul, ne peut pas travailler, il ne peut pas faire venir aussi un blanc pour travailler à la place de Guinée. Donc, pourquoi ne pas avoir confiance aux Guinéens à tout bord? Il n'y a pas que... aujourd'hui, il n'est plus chef parti politique. Il est, n'est-ce pas, le chef de l'État. Il n'est plus le chef de parti politique parce que je pense toujours que le président pense qu'il est toujours dans l'opposition. Donc il n'est plus dans l'opposition, il est chef de l'État. Je crois qu'il a fait 10 ans, 11 ans, n'est-ce pas, à la tête de l'État. Aujourd'hui, normalement, il devait être vacciné, il devait savoir tous les problèmes de la Guinée et tous les problèmes de l'État, n'est-ce pas. Il faut que ça soit un grand homme d'État pour que les gens puissent vraiment... Et d'abord, le pays puisse en bénéficier. Et puis, après, même demain, quand il n'est pas là, il ne vit plus, qu'on puisse dire, oui, il y a un grand homme d'État qui rassemble les Guinéens
il est parti, mais son nom reste toujours. Donc il faudrait qu'il essaye, n'est-ce pas, de donner le travail, n'est-ce pas, à toutes les institutions. Le seul qui reste, qui n'est pas aujourd'hui mis en place, c'est le haute cour de la justice. Mais tous les restes sont là aujourd'hui. N'est-ce pas, toutes les institutions sont là. Mais les institutions ne travaillent pas comme ça se doit. Hein? Même le gouvernement, ça se doit pas comme ça, il travaille pas comme ça se doit. N'est-ce pas? L'opposition ne travaille pas. N'est-ce pas? Personne ne travaille. Tout est tiré vers lui. Et maintenant, je disais l'autre fois, n'est-ce pas? Il faudrait qu'il puisse, il est le chef, mais qu'il puisse partager. Le seul ne peut pas gérer le pays. Le gouvernement seul ne peut pas gérer le pays. On a besoin de tout le monde. On a besoin de l'opposition, on a besoin des hommes sociaux, des hommes religieux, tout le monde, tout bord. Donc voilà, moi c'est encore ce conseil que je le donne. Il n'a qu'à essayer de doter les gens, hein, toutes les structures, que ce soit le gouvernement, les ministres, à tous les niveaux, que ce soit les institutions, n'est-ce pas, une fois que la loi a dit quelque chose, il n'a qu'à essayer, n'est-ce pas, de faire travailler tout le monde, hein, donner le dit de tout le monde des institutions pour que les gens puissent travailler. Parce qu'il s'agit de moyens, les moyens c'est pour travailler, les moyens c'est pas pour manger. Mais je pense que lui, il veut pas que quelqu'un soit indépendant de tout, et il veut que tout le monde soit, n'est-ce pas, dépend de lui. Et là, c'est là, quand l'homme, on dit le plus fort, c'est Dieu qui est plus fort. Dieu qui est plus fort, parce qu'aujourd'hui, on disait hier que Idriss Déby était le plus fort, le plus armé, n'est-ce pas, de notre contrée, mais je peux même dire l'armée la plus mouvementée au niveau, à toi, Union africaine, n'est-ce pas, il était dans tout le fort, mais aujourd'hui, il est où? Il est parti bêtement, il est parti même, je ne sais pas, hein, un massacre et tout ça rapidement, Dieu t'a vu, Dieu est plus fort. Aujourd'hui, et on disait qu'il est fort, aujourd'hui il est où? Il est enterré. Donc, moi je dis que c'est pourquoi je conseille notre président, le président Alpha Condé, qu'il puisse vraiment tirer ses leçons pour dire que tôt ou tard, un jour, quelqu'un va le remplacer. Vivant ou mort, quelqu'un va le remplacer un jour. Mais s'il dit quiconque sont contre lui, quiconque qui veut prendre, c'est-à-dire, veut chercher la même chose que lui a aujourd'hui, ou il veut arriver au pouvoir en le remplaçant. S'il dit qu'il veut tuer tous ces gens-là, un jour, c'est Dieu même qui va l'amener, et puis, tôt ou tard, quelqu'un va rester à sa place. Ça, c'est obligatoire. Donc, voilà, et c'est comme ça qu'on peut dire. Aujourd'hui, le conseil que je peux donner encore, j'ai appris qu'au niveau de l'Assemblée, et en tant que député, j'ai appris que bientôt il y a la loi sur le parti politique, le chef de parti politique. Il faudrait que ces financements-là ne s'arrêtent pas seulement au niveau de, n'est-ce pas, des partis qui sont à l'hémicycle. Moi, c'est le conseil que je donne, parce qu'il y a des partis aussi qui sont extra-parlementaires, qui ne sont pas parlement. Si on vote une loi pour dire que on va donner l'argent seulement aux ceux qui sont au Parlement, je veux dire que 80, hein, 79 députés que RPG a aujourd'hui, son parti, va rafler tout encore. Donc voilà, tout ça, ça va créer encore. Voilà, je prévois ce que je vois, ce que je vois qui vient, j'imagine, et c'est ça que j'anticipe. Donc, et quand tu prends, lui, son budget, hein, n'est-ce pas, la loi rectificative de 2020, il y a eu une augmentation de 2 milliards encore. Aujourd'hui, il est à 500 milliards par an. Donc, vous voyez, et j'ai appris qu'il est en train de aussi diminuer ce qui est sur le chef de file de l'opposition, ce qui est sur les partis politiques, n'est-ce pas, le financement. Donc, tout ça, je pense qu'il devait faire travailler tout le monde et donner le moyen, doter. Quelqu'un ne peut pas travailler sans le moyen. Hein? Que ça soit, moi, Dieu merci, ça fait un an aujourd'hui, et un an jour au jour,
Et je travaille, grâce à Dieu. De façon, mon mandat, je le ferai. Ça va se passer. Que j'ai l'argent avec lui que je pars, je continuerai à travailler. Mais l'histoire aussi est là. Et un jour, ça donnera raison à qui le droit. Donc voilà un peu ce que ces vérités-là viennent de fond de moi-même pour le dire, qui essaye vraiment de voir avec quoi. Parce que des fois, on peut ne pas faire certaines choses, mais quand il y a un événement qui arrive, tu perds un ami comme ça, et tu dois vraiment tirer beaucoup de leçons, dire que il faut que je partage, n'est-ce pas? Les richesses à partager, il faut partager les poissons qu'il y a à créer, mais il faut répartir maintenant le rôle de chacun. Chacun, quand on dit budget, c'est travail. C'est pas pour prendre, tu vas aller chez toi ou manger du riz avec. C'est pas ça. Donc voilà, ce conseil-là que je peux te donner encore. Et voilà que bientôt, quand il y a d'autres mouvements et d'autres événements, on sera là pour encore dire et informer la population et dire encore ce qui ne va pas réellement. La prochaine fois, on va s'attaquer, n'est-ce pas, de tout ce que la vue, c'est nous aujourd'hui, et tout ce qui fait que, pourquoi et comment corriger pour que, n'est-ce pas, la population puisse vraiment trouver le minimum, pourquoi et pourquoi, n'est-ce pas, vivre. Parce que c'est ça le problème. Aujourd'hui, c'est trop cher et pratiquement les gens ne peuvent plus supporter. Je vous remercie. Merci.